Tout comme ta gueule, c'est le contrat tacite des gens qui dorment qu'ils veulent. Quand leurs pantins saccagent les temples du savoir, dédicace à Tolbiac, leur résister n'est pas un droit, c'est un devoir. Vous n'imaginez pas la rage qui m'envahit, à quel point me dégoûte de voir Marianne salie. Les coups de matraque et le sang qui a coulé ne doivent pas rester vains. À vous de jouer. Ils vous attaquent, car ils savent que c'est avec vous qu'ils risquent de finir à poil et à genoux. C'est vous, la jeunesse, qui avez les cartes en main. Voulez-vous vivre en homme libre ou en pantin ? On dit souvent que les étrangers en France ont plein d'argent quelque part. C'est faux. C'est faux. Ils viennent en France, ils ont rien. Ils ont rien. Ils fuient la guerre, ils fuient la violence. Et je comprends pas qu'avec nos valeurs,
ils sont quand même des valeurs d'égalité, de justice. On ne vienne pas en aide à ces personnes-là qui en ont vraiment, vraiment besoin. Tout est possible. Je ne connais pas. Hein. Hey, on réalise des rêves. Et donc, je voudrais parler de l'éducation, parce qu'il y a vraiment de gros problèmes. On crée une élite en ce moment. Il faut qu'on ait des bonnes notes, il faut qu'on travaille, il faut qu'on soit haut dans la société, sinon on ne représente rien. J'ai une amie qui pense que la loi El Khomri est bien, parce que le gouvernement, parce que c'est ce qu'elle a appris à l'école, parce qu'il est là pour nous, qu'il est là pour nous aider, alors que c'est totalement faux, il est juste là pour nous rabaisser. Il faudrait d'abord qu'on nous apprenne les bonnes choses et qu'on nous apprenne à nous battre et pas juste à être bête et disciplinée.